Seta Sako et sa collègue du cabinet d'infirmières de Koumak ont reçu des visières pour se protéger et protéger leurs patients du Covid-19. Un don d'un particulier et des élans de solidarité qui font chaud au cœur. Je suis énormément touchée. Peu de temps après le reportage, finalement, beaucoup de gens se sont mobilisés pour venir en aide au Nord, en apportant des visières, station mobile qui aussi s'est débrouillée pour avoir des masques. Elle nous a offert un petit sachet de masques bien gentiment aussi. Et surtout l'apport de ces visières pour les soignants de Koumak. Fabrice Morel s'est mis à fabriquer des visières pour répondre à l'appel de l'association Inable. Il a fabriqué ces visières grâce à son imprimante 3D pour les soignants du Nord. J'en suis à 140 visières de distribuer. Il y en a encore qui sont partis ce matin pour tout ce qui est Poum, Touho, Point-Dimier, Koumak. Et il reste encore une liste, il en reste encore au moins presque autant encore à livrer sur la province Nord pour tous les dispensaires. À Koumak, ce sont des femmes d'une association caritative d'Orcas qui ont décidé de coudre des masques en tissu. Elles ont récupéré des patrons sur le net. C'est à partir d'une demande de l'assistante sociale qui voulait des masques en tissu et m'a demandé si je pouvais en faire. Donc j'ai cherché sur ma tablette et puis j'ai trouvé des patrons. Donc j'ai découpé les patrons pour femmes, enfants, hommes. Et puis avec des chutes de tissu, voilà. Donc puis sur les demandes de ma fille, mes filles, mes petites filles qui ont demandé, donc voilà, l'objet fini. Cette crise sanitaire avec sa période de confinement a permis à des hommes et des femmes de bonne volonté de donner tout son sens au mot solidarité.